Bonjour, je m'appelle Rodolfo, je viens du Brésil. Ça fait 4 ans et demi que je suis ici au Québec. Bon, présentement, je travaille à l'Agence de revenus du Canada et dans mon temps libre, je profite pour passer le plus de temps possible avec ma famille. J'aime aussi la musique, j'écoute beaucoup de la musique, d'écouter des téléséries avec ma femme, avec mes enfants aussi. C'est pas mal ça. Ma principale passion, c'est vraiment ma famille. On a une famille vraiment qui est vraiment unie. Et on profite tout le temps qu'on a ensemble, toutes les programmations, on pense en faire toujours ensemble. Et aussi avec ma autre passion, que c'est la musique. On essaie de profiter les moments en famille aussi pour écouter la musique, pour essayer de faire la musique aussi. Je pense que après la pandémie, après la COVID, tout le scénario mondial a changé et ça continue encore. On a beaucoup d'incertitudes au niveau mondial. On a la guerre à l'Ukraine et on a beaucoup de problèmes politiques partout le monde présentement, dans les principaux pays au monde. Et je pense que c'est ça ma principale préoccupation dans ces moments. Je choisis chez nous parce que, comme j'avais dit, ma principale passion, c'est ma famille. Et c'est où on passe la plupart du temps. Donc on profite pas mal ici, dans ces coins ici. C'est certain qu'on profite plus à l'été, mais on profite pas mal ici. C'est un coin qui me fait sentir bien ici. Shawinigan, que j'aime le plus présentement, c'est parce que c'est une belle ville, c'est tranquille. On a beaucoup de contact avec la nature. Et c'était une surprise de cet côté aussi pour nous autres, parce qu'on a toujours resté dans des grosses villes, des centres urbains. Et c'était vraiment une très belle surprise et on est vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, on a choisi le Québec. On a toujours pensé d'habiter un autre pays. Et le Canada, c'était toujours la première option. Et pourquoi on a choisi le Québec? C'est drôle, mais le plus important pour nous autres, c'était les Français. On a trouvé que c'était une belle opportunité de parler plusieurs langues. Et aujourd'hui, moi, ma femme, mes enfants, on est capable de parler le portugais, que c'est notre langue, anglais et le français. Et on aime bien ça. En fait, je pense que je suis pas mal fait de notre parcours ici. C'est pas toujours évident de déménager dans un autre pays pour apprendre une nouvelle langue, pour apprendre un nouveau métier, une nouvelle profession. Et on est là et on a réussi. On a passé à travers tout ça. Et je suis pas mal fier de tout ce qu'on a accompli jusqu'à la date. La première chose, ce sont deux choses en fait. C'est la citoyenneté. Parce qu'on attend encore, on a un processus à suivre, donc la citoyenneté canadienne, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche. Et acheter notre maison ici, au Québec. Oui, c'est pas facile, mais lâche pas. Les débuts, c'est toujours difficile, n'importe quoi, tous les changements, ce sont difficiles. Mais lâchez pas, parce que l'avenir, ça va faire la différence pour vous.